Je m'appelle Sonia et j'ai 32 ans. Bientôt, je vais vivre le plus beau jour de ma vie. Je me marie. Mais mes parents ne seront pas présents pour assister à ce jour si important. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va, ça va. C'est la préparation aujourd'hui? Eh oui. On fait des essais? Le grand jour. Allez-y, installez-vous. Merci. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez? Ben, on essaye de faire un chignon un petit peu lâche, si on arrive à avoir quelques mèches un peu tombantes. D'accord. Préparer son mariage et se retrouver un peu seul comme ça, là, sans sa famille, ça fait un petit pincement au cœur. Surtout qu'au final, ils sont vivants et ils auraient pu partager ce moment avec moi. Je me sens à la fois contente de me marier, de préparer ce mariage, et à la fois je le vis pas pleinement malgré tout, parce que la moindre préparation me ramène à la réalité où je suis un peu seule pour gérer tout ça. Donc ça fait un petit pincement au cœur quand même. En plus, vous avez une boucle très jolie qui se met vraiment très bien. C'est maintenant, quoi. Les moments à prendre et à partager, c'était maintenant, ce sera pas plus tard. Mais bon. Alors, est-ce que ça vous plaît, quand même? Super. Franchement, j'adore. Voilà. Ça reste sobre et en même temps, c'est travaillé. C'est super. Ça D'accord. vous gênerait de me prendre en photo ou que je l'envoie à mes amis? Après la coiffure, la robe. Je profite donc de mon escapade parisienne pour faire mes derniers repérages avant de me décider. Et bonjour. Contente de vous revoir. Pareil. Vous allez bien? Oui, oui, oui. On va aller voir nos robes sélectionnées. Allez, d'accord. Super. Je vous ai sélectionné deux robes. D'accord. Deux volumes. Un en mikado, assez classique, et une autre en tulle de soie, assez féerique, avec un peu de dentelle. On va essayer tout ça? Allez, avec allez plaisir. C'est parti. Merci. Vous allez découvrir votre merveille. Allez-y. Merci. Alors? Waouh! Vous aimez? J'adore. Vraiment, j'adore. Quand je me regarde, je me vois belle en extérieur. Et puis le cœur meurtri au fond, quand même. Vous voulez la présenter à quelqu'un de votre famille ou les laisser découvrir le jour J? Votre maman? Ma maman, non. Non. Elle est pas de la partie, on est en froid, donc elle sera pas là, malheureusement. Je suis désolée. C'est comme ça. Aujourd'hui, j'essaye une robe magnifique pour un jour magnifique et il me manque la personne la plus chère à mes yeux, quoi, partager ça avec sa maman. Ça fait mal. C'est du gâchis.